monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester ensemble la nouvelle collection de chez NYX, donc la collection Casa de Papel. Donc j'ai pris la palette qui est en forme de masque de Dali, comme ceci. Voilà. Elle est très jolie, je trouve, c'est très original. Bon, après, pour ranger, c'est pas très évident, mais franchement, elle est très jolie. Alors, il n'y a pas de miroir dans cette palette, donc voilà, comme ceci. Moi, ça me dérange absolument pas. C'est des miroirs que j'utilise pas en général, donc c'est pas grave pour moi. Ensuite, les teintes se présentent comme ceci et je les trouve magnifique. Franchement, quand j'ai vu cette palette, alors j'ai hésité, mais les couleurs me tentaient trop. Donc du coup, j'ai mis un petit sondage sur Instagram. Et là, vous m'avez pas facilité les choses. Hein. C'était 50-50. Et franchement, il y a eu pas mal de personnes qui ont participé. J'étais trop contente. Mais du coup, voilà, c'était 50-50. Donc j'ai pris la décision moi-même de faire la vidéo. Voilà, parce que franchement, les couleurs me tentent. Voilà, il y a du vert, du doré. Toutes les couleurs sont magnifiques. Les lumineux sont superbes. Et ensuite, j'ai pris le rouge à lèvres comme ceci. Donc Nairobi. La teinte, je crois que c'est Teddy Berry, voilà. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Alors la palette, je l'ai déjà swatchée, donc c'est pour ça qu'elle a l'air utilisée, mais je ne l'ai pas encore utilisée sur les yeux. J'ai fait les swatchs de cette palette hier pour vous faire la vidéo swatch, mais franchement ça a été une galère, donc j'espère qu'aujourd'hui ça ne va pas être une galère en l'utilisant. Pas une galère niveau swatch, mais enfin niveau phare, mais niveau que mon appareil à certains phares n'a pas fait la mise au point. Donc du coup je me suis retrouvée avec une vidéo qui sert à rien. Donc je vais quand même vous mettre moi par contre les swatchs dans cette vidéo, parce que vous préférez aussi qu'il y ait dans la revue les swatchs. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais vous mettre les swatchs, je vais mettre mes petits collants, ma base à paupières et on se retrouve après pour le make-up. Alors voilà, comme vous l'aurez vu, j'ai déjà mis mon anti-cerne, j'ai déjà mis fond de teint, donc je ne vais pas vous dire c'est lequel, mais c'est un que vous m'avez demandé de tester sur Instagram, qui est pas très cher et qui fait le buzz pour l'instant, et qui est plutôt pas mal. Ça fait 2 jours que je le teste et franchement, j'aime déjà pas mal. Je vous en reparle très bientôt, mais vous avez certainement compris de quel fond de teint je parle. Alors pour la palette, on revient à la petite palette, donc masque de Dali de Casa de Papel. Donc quand j'entends Casa de Papel, moi j'entends Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ok, donc je disais, il y a 32 fards à l'intérieur de cette palette qui font 0,9 grammes, ce qui est plutôt pas mal. C'est vraiment la moyenne des fards, franchement. Elle coûte 42 euros plus ou moins, ça dépend d'un site à l'autre bien évidemment. Sur Douglas, vous pouviez la choper, je ne sais pas si c'est encore le cas pour l'instant, mais avec le Black Friday c'est possible, à une histoire de 32-33 euros. Donc voilà, elle revient un peu moins cher, ça c'est plutôt pas mal. Alors on va commencer tout de suite, je vais utiliser le fard juste ici, parce que comme il y a un clair, vous savez que je mets toujours ça sous mon arcade sourcilière. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et puis je pense que je vais tester le fard ici qui me tente trop, il est trop beau. À mon avis c'est celui que je vais mettre sur la paupière mobile. Je suis une... franchement c'est une série que j'aime beaucoup, la Casa de Papel. C'est pour ça que ça m'a un petit peu tentée, parce que je crois que les éditions de NYX, les collections spéciales comme ça, j'ai jamais testé. Mais là, Casa de Papel, ça me parlait vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage de Raquel, donc, qui ressemble, mais énormément, enfin je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi ça me troublait à chaque fois que je regardais la série, à Anaïs Camisuli, quelque chose comme ça, de Secret Story. Franchement, la ressemblance, enfin même les mimiques, moi dans la série, ça me choquait des fois, je pensais qu'à ça quand je la voyais passer à l'écran, ça me faisait trop bizarre. Et bien évidemment, mais Tokyo, il y avait Nairobi aussi, bien évidemment. Donc je vais utiliser quel fard en creux. Je pense que je vais utiliser le petit fard ici. Voilà. Que je vais mettre en creux de paupière. J'hésite. Mais ouais, je vais utiliser celui-là, je pense. J'ai pris mon pinceau de chez By Mitchell, mon pinceau estompeur. Voilà. Alors, ça me rassure un peu parce que les mats, quand je les ai swatchés, j'ai dû revenir à plusieurs fois pour certains. Et là, celui-ci, ça va, je pense. Je suis étonnée, mais ça va. J'avais un peu peur que les mats soient pas trop pigmentés. Mais là, ça me rassure un peu.
Sinon, les fards lumineux sont quand même bien crémeux, bien pigmentés, surtout les dorés. Les dorés, ils sont sublimes. Ils sont vraiment très très pigmentés. Le petit vert, logiquement, que je vais utiliser aussi, il est pas mal pigmenté. Sur les swatchs, j'ai pas vu trop de chutes. C'était pas trop poudreux. Franchement, la pigmentation est plutôt bonne. Hein. Et les fards se travaillent super bien. Donc là, je vais rester comme ça. Je vais prendre le fard le plus foncé. J'ai pas mes lunettes, donc je vois pas comment il s'appelle. Mais celui-ci. Et je vais le mettre en coin externe. Mais je vais essayer de le mettre un peu en biais. Donc pour ça, j'ai pris un pinceau de chez Zoeva, qui est le 231. Par contre, c'est chiant parce que la palette, elle tient pas en fait. Et j'ai pas envie de la croquer. Mon mari, quand je faisais les swatchs, il me dit « Mais pourquoi tu la plies pas ?» Mais non, j'ai pas envie de la croquer. Et du coup, c'est embêtant. C'est vrai qu'il m'avait dit « Tu vas voir, pour te maquiller, ça va être embêtant de devoir la tenir. » Mais en effet, c'est un petit peu embêtant. Donc, je vais mettre ça en coin externe et en biais. Donc, je continue avec le noir que j'étais en train de mettre en coin externe. J'essaye de mettre plus ou moins, j'ai bien plus ou moins parce que je suis déjà partie pas du tout comme je voulais en biais. J'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes dans le fard noir. En plus, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai la tremblote. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, tout se passe bien, le noir est bien pigmenté. Hein. Et comme quoi, des fois, les swatchs aussi, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a des swatchs qui... Il y a des fards qui swatchent super bien, et puis pour finir, c'est pas terrible sur la paupière, et il y a des fards qui swatchent moins bien, et qui, au pinceau appliqué, sont très bien, parce que franchement, les mats, j'avais un peu peur. Et là, bah non, le noir, il est plutôt bien. Par contre, non, je pense pas qu'il y ait paillettes, des paillettes tout. Je ne sais pas où, parce que là je n'en vois plus. Là, il me semblait que j'avais du paillette là, mais non. Bah, bien que. C'est fou ça. J'ai l'impression d'avoir des petites paillettes d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà, voilà. Par contre, j'adore que le fond de teint s'est quand même un petit peu déplacé au niveau de mes lunettes. Mais bon, j'ai pas encore poudré aussi. Exprès pour si jamais il y a des chutes, je peux au moins les retirer. Voilà, et maintenant je vais mettre le magnifique fard ici, et je crois que c'est le Nairobi d'ailleurs, vu qu'il y a le petit nounours, donc le nounours de son fils. Je vais pas trop vous spoiler la série parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore vu. Donc je vais l'appliquer, ben, je vais essayer au pinceau déjà pour voir si ça s'applique bien au pinceau, et si pas, ben, j'irai au doigt. Donc pour ça, j'ai pris mon pinceau plat de chez Jésus et je vais le mettre pareil en biais pour rejoindre le noir. Il s'applique super bien au pinceau. Et la couleur est très jolie. Par contre, j'ai pas pris les highlighters parce que déjà, je les trouvais pas donnés pour l'UNIX. Ils passaient les 20 euros. Bon, après, avec les 25%, ils revenaient à 16 euros quelque chose sur Douglas. Mais je sais pas, je les trouvais chers. Je ne sais pas pourquoi. Dites-moi, mais moi, je trouvais ça cher pour l'UNIX. Donc, ils étaient à 20, ouais, à 21, 22 euros. Et j'ai ma copine Marceline qui les avait achetés et ils sont très très pailletés. Et moi je suis pas... ça me dérange pas trop hein, parce que j'ai quelques highlighters là, qui sont pas mal pailletés. Mais là ils sont quand même très 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 pailletés. Donc du coup j'ai pas craqué, sinon le rose gold me faisait bien envie. Et j'ai résisté, j'ai pas pris avec les paillettes. Très beau ce fard, très très beau. Regardez-moi ça. Augmentation. Et étonnamment, quand j'ai regardé le grammage des fards, j'étais étonnée qu'il y avait 0,9. Je sais pas, il me semblait un peu plus petit que certains fards dans mes autres palettes. Mais en fait, non, c'est tout à fait le grammage normal. J'ai hésité à aller jusqu'en point interne. Je me dis, c'est mieux de tester un autre fard pour vous montrer. Donc du coup, bah, je me stoppe là. Ainsi, je vais mettre un autre fard en point interne. Et niveau chute, bah, écoutez, de ce côté-là, ouais, j'en ai un petit peu, plus par ici que par là, mais ça va, franchement. Je réestompe un petit peu avec mon pinceau estompeur, avec la couleur que j'ai mis dans le creux de paupière. J'ai pas remis de matière, bien évidemment. C'est juste pour remélanger un peu. Ainsi, ça mélange un peu les paillettes.
quelque part. Voilà. Et en coin interne, je vais utiliser, j'ai très envie d'utiliser le beau vert que j'ai vu là. Je vais vous montrer. Celui-ci, il m'a l'air trop joli. Donc on va mettre celui-là en coin interne. Un petit peu plus topper, lui. J'ai hésité à mettre un doré en plus. Mais ça va, en insistant un petit peu, il y a quand même de la couleur. Ouais, j'ai quand même laissé au doigt. Même si dans le coin interne, j'aime pas trop, parce qu'en général, c'est pas très précis au doigt, surtout que moi j'utilise le petit doigt. Par contre, il y a des paillettes dans ce fard magnifique. Il y a plusieurs sortes, on dirait qu'il y a des vertes, des jaunes. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais directement l'appliquer au doigt. Tout compte fait, je reprends mon pinceau. Voilà, voilà, je pense que je vais m'arrêter là, donc je vais retirer mes petits collants, voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu d'anticerne parce que c'est des nouveaux collants comme vous l'aurez vu, donc du coup ça m'a retiré un petit peu d'anticerne et là j'ai un petit peu débordé donc il faut que je le retire. Je vais retirer aussi les petites chutes, je vais achever le teint et puis on se retrouve pour les yeux et pour les lèvres. Voilà, j'ai terminé le teint, donc j'ai poudré avec ma poudre de chez Huda Beauty, comme ceci. Ensuite j'ai mis mon bronzer Make Up Forever. Et pour le blush et l'highlighter, j'ai utilisé la palette de chez Smashbox que j'ai mis dans ma rotation make-up. Je l'avais pas encore testé, la pigmentation des blushs, il faut y aller mollo. Franchement, ils sont hyper pigmentés, mais ils sont magnifiques. Un peu poudreux par contre. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer les yeux d'abord. Alors, je vais utiliser, comme on est dans le vert, ce fard-ci pour mettre en ras de cils. Avec mon petit pinceau de chez Jésus, comme d'habitude. Dommage que j'avais pas un petit crayon vert pour la muqueuse, ça aurait été bien. Moi je regarde pas, j'espère que je suis pas floue. Voilà, voilà, et en coin interne, je vais mettre le plus clair, celui-ci. On voit que j'ai la tremblote ou pas? Non, ça se voit pas. Cette semaine, vous allez aussi... Oh, c'est exagéré. Vous allez avoir aussi, je disais donc, une vidéo sur la nouvelle palette. Enfin, nouvelle palette, elles sont sorties à un moment, il y a déjà un petit moment, mais elles étaient parties. Enfin, elles étaient en rupture assez vite sur Boozy Shop, les fameuses palettes Glam Light. Donc, j'ai su en choper une, par chance, parce que franchement, j'ai pris la nude. Et la verte, je suis dès que je l'ai loupée. Mais la nude, elle était épuisée. Et par chance, j'ai actualisé plusieurs fois. Et je sais pas pourquoi, elle est revenue en stock. Je me suis dit ça... C'est un signe. Parce qu'au départ, j'étais tellement dégoûtée que je me suis dit, bon, je vais commander la mauve ou quoi. Et puis je me suis dit, non, j'étais tellement dégoûtée. Quand c'est comme ça, moi, je me dis, bon, bah du coup, c'est bon, je laisse tomber. C'est que c'était pas pour moi. Donc je me suis dit, par acquis de conscience, je vais quand même actualiser. Puis j'actualise, là, la palette revient en stock. Je me dis, ah, ça, c'est bon, c'est un signe, je craque. Donc du coup, j'ai craqué malgré que je suis dégoûtée. Parce que franchement, au prix où ils les ont mis, au départ, quand elles sont arrivées sur Boozy Shop, elles étaient à 31,95. Là, elles étaient à 39,95. Donc moi qui suis toujours pour les codes promo et tout, j'étais bien dégoûtée, mais je voulais trop en tester une. Donc voilà, j'en ai quand même pris une. Sinon, j'en aurais pris plus si elles avaient été au même prix qu'avant. Mais là, du coup, il reste la mauve et la fort colorée. Il y a celle aussi en collaboration avec Mikaela. Que j'aimerais bien aussi, mais là j'attends Black Friday. S'il y a des promos dessus, je les prendrai au Black Friday. Si pas, par contre la pigmentation est plutôt pas mal. Je les ai swatchés pour la vidéo swatch, et tout belle. Hein. Alors je vais mettre le crayon Too Faced en muqueuse. Par contre, je vais peut-être prendre un pinceau. C'est censé être l'extrême black ou un truc comme ça, je pense, mais il n'est pas si,
ça vaut pas mon Natasha Denona hein, dans la muqueuse. Et ensuite je vais mettre mon mascara de chez Marc Jacobs comme ceci. À chaque fois qu'on applique son mascara, je sais pas vous, mais on fait une de ses bouches, c'est automatique. Pourtant, j'essaye hein, de pas faire aller ma bouche. Ça me fait penser à ma mère qui, à chaque fois qu'elle donne à manger à un bébé, elle ouvre la bouche en même temps que le bébé, quoi. C'est trop comique à voir. Donc, je vais maintenant tester la couleur, donc le rouge à lèvres Nairobi. Donc, il y avait une autre teinte qui était un rouge, mais je suis pas très rouge, comme vous savez. Donc, j'en mets pas très, très souvent. Ça m'arrive, mais c'est très, très rare. Tandis que là, ça avait l'air d'être... un prune, enfin marronné, je vais le swatcher, je ne l'ai pas encore swatché, je ne sais pas du tout ce qu'il va donner. Mais il est plus joli que ce que j'espérais, donc ça c'est encore mieux. Il n'est pas aussi foncé que ce que je pensais. Alors lui par contre il est à 11 euros quelque chose, moi sur Douglas je l'ai eu à 9 euros et quelques parce que je ne l'ai pas acheté tout de suite quand il y avait les 25%. Alors que d'habitude, voilà. Mais comme j'avais un bon de 2,50€ de fidélité, je me suis dit, voilà, ça compense les 25% que je n'ai pas eu, donc c'est revenu au même. À part que j'aurais pu les utiliser pour autre chose, mais bon, ça... Donc je vais l'appliquer avec vous. Les rouges à lèvres NYX, en général, sont très bien. J'en ai vraiment pas mal. C'est des petits prix, franchement, ils sont vraiment top. La texture est vraiment très agréable, il est crémeux, fini mat, mais vraiment crémeux. C'est de m'en sur les dents. Et la teinte est très jolie. Après, je sais pas si ça ira avec le make-up. Par contre, il fait beaucoup plus foncé sur moi que, que sur ma copine. On voit que moi, je suis beaucoup plus claire de peau et que du coup, ben, ça ressort beaucoup plus foncé. C'est très joli, mais à la caméra, en tout cas, je sais pas, je verrai quand je vais faire la vidéo, mais... Mais sinon, la teinte est très jolie. Il tire un peu sur... Il y a du mauve comme ça à l'intérieur. Il est très beau et très agréable sur les lèvres. Et en plus, elles sont un petit peu abîmées. Et ça se voit pas du tout. Ça n'a pas marqué. Bon, après, ça va pas tenir toute la journée. Dès que je vais manger, ça va partir. Mais comme tous les rouges à lèvres comme ça en général. Après, on va voir s'il part bien. Ou s'il va juste rester des bords comme ça. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Et le make-up, bah la palette, franchement, j'ai été agréablement surprise. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais un peu peur avec les mattes, mais franchement, ils se sont travaillés super bien. Les fards métallisés que j'ai mis sont bien crémeux. Le noir est plutôt bien pigmenté. Enfin, il y a mieux, mais... parce que là, quand même, il est un petit peu... Mais ça va quand même, mais il est... voilà, c'est pas un noir noir, mais il fait vraiment bien le job. Il est plutôt joli. Et ouais, c'est trop trop beau. Franchement, la pigmentation est... Et plutôt bien. Si vous savez la choper à petit prix, à 30 euros ou quoi comme ça, ça vaut trop le coup. Donc voilà pour la collection Casa de Papel de chez NYX. Bah voilà, je suis pas déçue de mes petits achats. Après, je sais pas comment je vais ranger cette palette, mais ça, je verrai dans mes tiroirs. Mais je suis agréablement surprise. Par contre, je crois que, attention, c'est une édition limitée, il me semble. Hein. En général, les collections comme ça de NYX sont en édition limitée. Ils avaient fait la collection Sabrina il y a 2 ans, je pense, 1 an ou 2 ans. Et tout est parti, il n'y a plus rien eu du tout. Donc si vous la voulez, à mon avis, traînez pas trop. Peut-être arriver à la choper sur Vinted. Mais voilà, donc j'espère comme d'habitude que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !